Hello, hello! Salut Toto, j'étais encore sur le stream, c'est la discussion sur le stream. Et je suis tout seul pour commenter, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de commenter, mais on est là. On va essayer de commenter les pilotes. Et on a Christophe qui a décidé de dérouler aujourd'hui. Oh, ça va être dur. Bon, c'est un peu compliqué de vous parler pendant les essais libres. Je meurs lurk, bonne soirée. Salut Totoche. Moi aussi tu peux te mettre en lurk. Dans tous les cas, ça va être compliqué de commenter. Bon, je vais pas te mentir. Tout seul, c'est short. Christophe a décidé de rouler à la dernière minute. C'est un plaisir. Mais bon, c'est pas grave. On va se mettre sur la vue. On va se mettre sur qui? On va se mettre sur l'Ardu, tiens. Et là. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez bien roulé. Et pour Totoche. J'espère que t'as passé un bon week-end aussi. Hein. Déjà, j'espère que t'as roulé, mais c'est vrai que tu roules pas. On se retrouve pour la 7ème manche de la Thunder Cup. On se retrouve sur le circuit de Brandach. On espère avoir un peu de bataille. Pas beaucoup de pilotes ce soir, malheureusement, beaucoup d'absents. On a énormément d'absents ce soir, malheureusement. On n'est pas aidé avec la sortie du nouveau DLC sur le jeu. Voilà. Alors, on va se mettre sur l'Ardi qui doit être en tour, je pense. N'oubliez pas, c'est les essais libres. Alors, les essais libres, les pilotes cachent un peu leur jeu. Ah, quoique, il est peut-être pas en tour. Ah non, il n'est pas en tour. Ça donne quoi les chronos pour l'instant? 25-8, 27-3. Ok, là. Au chrono. Qui est en tour? On va se mettre sur Christophe. Notre cher commentateur qui prend la place des pilotes ce soir. D'avoir vu de rouler, donc on lui a laissé sa chance pour rouler. Avec sa petite BM, bien sûr. Ok, c'est bon. Oh, ça va être compliqué. Une 24-7 pour Deberos. Je pense qu'il cache pas son jeu, lui. Il nous l'avait dit en début de... En briefing, qu'il avait pas trop joué sur le circuit. Je pense qu'il cache pas trop son jeu et qu'on va avoir ses chronos approximatifs. Bah Rudy qui roule pas. Rudy qui a pas envie de rouler. On va se mettre sur l'Ardi. Débuter un nouveau tour. Quoique, on était là juste avant, donc on va se mettre sur Ashmida. Est-ce que le son du jeu il est assez fort ou pas? Il faut que je le monte. J'arrive pas à savoir, mais normalement je pense qu'il est bon. Pardon. En termes de voiture, on a toujours la même que la semaine dernière. Hein, quoique.
Bon, c'est les mêmes que la semaine dernière. Personne n'a changé de voiture entre temps. Puis Chrono de HMIDA qui va tourner en une 26.5, je pense. Voilà, une 26.6. Jessie qui entoure, qui améliore. Une 25.7. Christophe qui est toujours pas en tour. Gaël qui est dans un tour, je pense, va se mettre dans sa voiture. On voit Gaël jouer avec beaucoup de TC, hein. 5 de TC, 3 d'ABS. Je pense pas qu'il va améliorer le pilote. Je pense qu'il va tout. Ah, quoique il était pas en tour de sortie. Ok, j'avais pas vu qu'il était pas en tour. Il aurait pu s'entraîner pour le... Ah, il y a eu un petit crash ici. Un petit accident ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour la voiture 97? Aïe 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 aïe, Jesse qui part à la faute. Et c'est Lardy aussi qui est parti à la faute au même endroit. Aïe 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 aïe. C'est terrible. Attention messieurs, nous sommes seulement en essai libre en course. Mais j'ai vu, Jesse, t'inquiète. Mais coupe le stream. Il a fait une erreur, il dit pas rien. C'est seulement les essais libres. Donc, et t'inquiète pas que beaucoup de pilotes vont faire des erreurs dans ce virage, hein. C'est un virage ultra compliqué, donc... Ah, bref, en tout cas... J'espère qu'il y aura de belles batailles. Les chronos vont être serrés, du coup c'est quoi les chronos ici? Une 27.4. Rudy qui a pas... Ah si, Rudy qui a roulé une 27.9. Bon Rudy, on sait très bien que tu caches ton jeu, Rudy. Hein. On sait très bien que tu caches ton jeu. Ah, ça sort pour Gérin. J'ai l'impression que cette vue n'est pas super top. Ouais, je vais mettre celle-là, au vieux hélicoptère. Il est pas en tour dans tous les cas, donc ça sert à rien. Personne n'est en tour, donc ok. Mathieu qui nous a rejoint. Du coup, on est 9 pilotes. C'est parti, qui va partir en premier? Et c'est HMIDA, du coup on va se mettre sur sa vue à HMIDA. On est parti pour 15 000 de qualif. Tout le monde est sorti sauf Mathieu. Mathieu qui décide de rester dans les box pour l'instant. On verra ce qu'il fait. Est-ce qu'il va sortir vers la fin ou... Est-ce qu'il va sortir directement, on sait pas. Au moment, ce circuit devrait avoir des belles batailles quand même, hein. Je
surtout des crashs. Là c'est parti, Ashmina qui lance son tour, on va se mettre dans sa voiture. Hop là, c'est parti. Et c'est son dans les oreilles. Très bon virage. Un peu mal pris le virage là pour le coup. Je sais pas si c'est... Ashmida qui a des problèmes, mais beaucoup de rollback. Beaucoup de rollback Ashmida malheureusement. On va quand même finir son tour puisqu'il est en tour, mais beaucoup de rollback pour Ashmida. Étant une 27, une 28, 27,9. Ouh, ça c'est limite. Ah, c'est dommage d'avoir fait ça, Ashmida. Fallait continuer. On se met sur Jesse. Jesse qui joue avec très très peu de TC et très peu d'ABS. Donc, il joue à peu près pareil que moi sur le TC et sur le ABS. C'est pas si mal en vrai, mais faut faire attention à ses réaccélérations. Ça va être en combien pour Jesse? Une 26. 25-3. Alors que le premier, c'est Rudy, une 25-100. Tout le monde a fait un tour? Ok. Bon, Christophe qui partait à la faute. Christophe qui est parti à la faute. Que s'est-il passé pour Christophe? Il a dû monter sur le vibreur ou... Ah, il l'a perdu du sol. Malheureusement. Ah, dommage qu'il va chercher le mur après. Pas de dégâts pour le pilote. À mon avis. Ah, Mathieu, t'aurais dû laisser l'espace avec Rudy. Un peu bête ça. Sachant que t'es pas en tour. Pas d'amélioration pour Rudy. Gérin qui va être en fin de tour. Il n'améliore pas son chrono si on suit bien l'affichage. Drapeau jaune. Et Deberos qui partit à la faute. Que s'est-il passé? Le pilote Lamborghini. Je pense qu'il a dû abandonner son tour. Ah voilà, il a abandonné son tour. Alors que là, on a Lardy qui est parti à la faute. Aïe aïe aïe, c'est terrible. Terrible. On va se mettre sur Gaël. Les bureaux s'y prend la tête de la course, une 25-80. Je pense que les pilotes ne sont pas au maximum de leur chrono. Hein. On va commencer à taper le 1-24-8 là, on commencera à... Je pourrais dire que les chronos, ils sont en bon chrono. En les cas, je pense que le... pour avoir un chrono safe, il faut aller sur les 1-24. Une 1-24-5, une 1-24-8. Et voilà, 24-4 pour Rudy, 24-8 pour Mathieu.
Et Gaël qui améliore pas. Non, pas d'amélioration pour Gaël. Une 27. Alors qu'on a Ashmida qui est en grosse amélioration de plus d'une seconde. Et c'est le 1.27 pour Ashmida qui est dans la 8ème position. Et Christophe qui est pas en tour. On va se mettre sur Rudy qui est encore en amélioration. Pas une grosse amélioration mais une belle amélioration quand même. Vas-y monte 2 dixièmes. Ouh ça s'est raté pour Rudy. C'est raté. Pas par là. Oh c'est terrible, en plus il va taper le mur juste après. Il décide de continuer, il décide de pas box. D'accord. J'aurais pensé qu'il y aurait box. Ah voilà, il va arrêter son tour je pense. Pas box. Moi ça l'entraîne. Miguel qui est quasiment dans le dernier virage, qui est en belle amélioration. Ah il s'est raté dans le dernier virage, c'est dommage. Il y avait une belle amélioration. Du coup qui améliore pas. Enfin chrono similaire. Christophe qui a une amélioration mais qui vient de se rater. Ah c'est terrible, faut lâcher la pédale d'accélérateur. Faut lâcher la pédale. C'est dommage. J'ai rien qui s'est raté. On va se mettre sur Deberos. Je pense pas qu'il va améliorer. Ah c'est sorti. C'est sorti mais ça s'est très bien rattrapé. Pas d'amélioration pour Deberos. Alors qu'on a Mathieu qui est en amélioration. On a Gaël qui est en amélioration. Ashmida qui est en amélioration aussi. Mathieu qui a amélioré. Une 24-7. Bon, ça c'est sorti. Ça sort Mathieu. Terrible. Et Gaël qui est en amélioration. Le 10ème qui va aller chercher le 1.25. Jesse qui a abandonné son tour. Gérin qui a fait un mauvais tour. Ashmida qui améliore pas. Personne n'est en amélioration. Instant. Ah, ça glisse. Ça glisse pour Gérin. Et Rudy qui repart sur un tour. Hardy qui améliore pas. C'est dommage. Il reste plus que 5 minutes. Déjà des chronos en 1.24, on en a 2. Rudy qui met un bel écart quand même pour l'instant. Ashmida en amélioration, Rudy en amélioration, Hardy en légère amélioration. On va se mettre sur Ashmida. Terminer le tour avec Ashmida. Qui pourrait potentiellement aller chercher le 1.26 et le 1.26. Bah ça lui ferait pas changer de position malheureusement. Ah ça sort. Ça sort, c'est dommage. Et Rudy qui est en amélioration encore. Chercher 3 dixièmes. Ouais, c'est l'une 2400 pour Rudy. 24-2, pardon.
Pas mal. On peut encore améliorer, je pense. Il peut aller chercher une 2400, une 24. On prend maximum une 29-3. Même si ça va être très compliqué. Christophe qui améliore pas. Pas d'amélioration pour l'instant. Schmidt qui est en amélioration. 10e. Salut Morph, comment ça va? Merci d'être passé en tout cas. Je suis tout seul à commenter ce soir pour le coup, donc ça va être un peu compliqué. Mais merci d'être passé. Puisque Christophe a décidé de rouler ce soir. Il y a un ami qui a voulu rouler, donc on l'a laissé rouler. Christophe qui se place à la 9e place, pardon. Pourquoi j'ai dit 29? Des bureaux qui est en amélioration et qui a dû se rater malheureusement. Ah bah Chris à Brandach, s'il finit la course c'est beau. Hein. Déjà sur le Nordschleife c'est compliqué qu'il finisse une course. Alors que Brandach c'est un circuit qui est quand même technique. Je pense que ce soir on va avoir du spectacle. On va avoir de la casse ce soir. Ça va être marrant à regarder. Moi je veux des batailles et je veux de la casse ce soir moi. Ah tu verras le Nordschleife, il est pas mal. Je l'ai testé, il est pas mal. Mais bon, j'ai arrêté la McLaren, je suis passé en Porsche. McLaren, non, non. Nordschleife, c'est pas possible. Les bureaux qui améliorent pas, l'article qui commence à améliorer, il y a Schmidt qui a pas amélioré. Pas de... Rudy qui a une belle amélioration encore. Ok, donc Rudy, il peut me faire mentir. Je vais aller chercher lui une 24, une 24-8, une 24-7. J'espère qu'il va pas être gêné par Mathieu. Ah, en plus Mathieu en amélioration, Rudy en amélioration. C'est terrible. C'est terrible pour les pilotes. Ça va, ils vont pas se gêner, c'est cool. Et voilà, du coup, hein, Rudy qui est encore venu ce soir et qui fait passer un message à ses concurrents. Il fait comprendre que c'est son championnat qu'il va écraser tous les pilotes. Une 23. Voilà, une 23-7 pour Rudy. Très, très, très gros chrono. Lui qui disait que qu'il le sentait pas sur le Brandach. Il fait une BRM. Très beau chrono de la part de Rudy. Une 23-7, c'est fort. C'est le seul pilote à passer en dessous de la barre d'une 24. Et je pense que ça restera le seul. À moins que Mathieu me fait mentir, mais bon. Mathieu qui est parti. Dans... Ouais, je pense que c'est terminé pour Mathieu. Amélioration pour Gaël. Le 10e. Ça peut aller chercher une 25-5, je pense. Ça serait pas mal. En termes de chrono, c'est vraiment. Ça tombe dans les 1-25, une 1-24. C'est pas mal. Il y a Rudy qui sort du lot, mais ça, ça on le savait déjà. Hein. Et Gaël qui a une amélioration de 6 dixièmes. C'est pas mal ça. Ah, mais c'est terrible pour Gaël. Hein. Pas la première fois qu'il rate son dernier virage. 7e place pour Gaël. Alors qu'il reste à Schmida qui est en piste, qui améliore. Le bureau qui est en piste, qui améliore pas. Gérin qui est en piste, mais qui améliore pas. Gaël qui cancel son tour. On va se mettre sur Schmida qui est en amélioration. Pas d'amélioration je pense pour Schmida ou c'est une légère amélioration. C'est pas mal, ça va aller chercher l'une 26 malheureusement. Ça le fera pas bouger en termes de chrono. Le seul pilote en une 26 pour le coup. Il reste qui roule? Personne. Personne roule, du coup vous avez la liste.
La liste de la, des places sous la course, pendant la course, pardon. Rudy 1er, Mathieu 2e, Lardy 3e, Jesse 4e, Debureux 5e, Gérin 6e, Turbo Mazo 7e, Rachmida 8e et Christophe 9e. Ça, on le savait, t'inquiète, Christophe. Bref, moi je vais faire une petite cour, une petite pause. On revient dans 4 minutes le temps que je fasse une pause, tout simplement. Allez, à toutes. À toutes.
Eh bien, re tout le monde, on se retrouve pour la course. On ne sera plus que 8 pilotes parce que Christophe a décidé de se retirer de la course. Il va arriver dans le commentary dans peu longtemps. Ouais, j'espère qu'on va vivre une belle course. Normalement, on devrait avoir une belle course avec des batailles, des dépassements, etc. On souhaite que tous les pilotes roulent propre. En espérant ne pas avoir de crash. Christophe, si t'es sur le stream, tu fais quoi? Tu viens en vocal ou... Et c'est parti. Le départ va bientôt être donné pour nos 8 pilotes. C'est bientôt le départ de cette grande course. Les pilotes, un vainqueur. Rendez-vous au premier virage. Pas de soucis. Et bonsoir tout le monde. Salut Christophe. Ça va? Ouais, nickel, ça va, ça va. Oh, ça va. Finalement, je t'ai rejoint dans le commentary parce que je me suis dit... Si je fais une dinguerie avec ma voiture, je vais les choper, c'est moi qui vais niquer le chauffeur des pilotes, c'est pas mon... Alors qu'il n'y a pas eu de collision entre les pilotes pour le coup. Aucun contact. Très beau premier virage de la part de tous les pilotes et encore une fois, pour changer, Rudy et Mathieu qui s'envolent. Le contraire m'aurait étonné. Alors dis-moi. Dis-moi, nous, je te dis, qu'est-ce que tu penses de... Ah, il y a Jesse qui doit abandonner la session, apparemment. Oh, Lardy qui met Gaël dans le mur, il fait le contact. Aïe, c'est terrible. Oh, Gaël qui se fait déjà détruire la course. En même pas un tour. Ah, oh, c'est terrible. Mais je crois qu'il y a plus... Il y a Guillaume Gérin qui a été embarqué dans la monture, il me semble. Je crois qu'il y a eu 3 pilotes dans ce contact. Avec Philippe crash. Ah bah ouais, de toute façon, Gaël, Gérin, il a des dégâts à son véhicule. Ah non, c'est Desbereuses qui met Gaël dans le mur. Je pensais que c'était Lardy. Desbereuses qui met Gaël dans le mur, qui, en revenant sur la piste sans le vouloir, embarque Gérin dans le contact. Ah, c'est terrible pour Gaël, début de course compliqué pour le pilote, et du coup qui a boxe hein. Ah non, c'est... Non, Gaël qui me boxe pas, je pense qu'il doit avoir des dégâts sur sa voiture. En tout cas, c'est terrible. Desbereuses qui... Depuis le début du championnat, nous propose des belles courses et fait une erreur. Une erreur bête, mais qui risque de coûter une pénalité si le pilote décide de faire une réclamation. Gérin, qui est une victime collatérale, qui a vu une McLaren fusée sur lui. Le pauvre. Mais Gaël, je pense que ce dégât ne doit pas être si important que ça, pour le coup. A voir, on verra bien en fin de course avec le pilote. Ouais, du coup, on a toujours cette bataille. Rudy, Mathieu. Qu'est-ce que t'en as pensé du chrono de Rudy ? Ah, on a perdu Christophe.